Certaines traditions de notre peuple sont aussi vieilles que la pierre. Le solide bouclier se prête à bien des usages. Nos épées sont mortelles, d'une simplicité jamais surpassée. Et un chef qui ne mène pas la charge n'a rien d'un chef. On nous appelle les Jarls, un nom qui se mérite. Nous sommes... Et nous resterons le bouclier de notre peuple. Il nous faudrait des navires. Et je brûlais d'envie de me remettre dans le bain. Par la barbe d'Odin. Invasor! Bellicum canite! Ces obsidiens n'étaient visiblement pas fichus de fortifier nos défenses. Il fallait que j'ouvre ce portail. Et vite. Est-ce que tu vois ces troupes? Ah.
enculé. Tu es deux. Je ne pourrais pas prendre le feu à moi seul. Mais les tous! Je dois atteindre la baliste. Je plaignais presque les chevaliers. Caer os hombres.
par la barbe d'Odin. Ils avaient un sacré trésor de guerre. D'où ça peut venir, ça? Des bateaux samouraïs à la dérive, remplis de ces trucs. Les samouraïs! Des faibles. On est 10 fois plus nombreux qu'eux. Leurs affaires sont prospères. Nous aurons besoin d'une flotte. Le pillage. Oui. Nous appelait. En quête, sinon de gloire, du moins de richesse, les Vikings se tournèrent vers leurs voisins par-delà l'océan. Les terres des samouraïs étaient gardées par un ancien fort maritime que les Vikings pensaient mal défendu. La guerre d'Apollyon nous avait menés au bord de l'extinction. Mais ce raid nous rappelait qui nous étions vraiment. La première cible était un fort maritime. Mais ils s'attendaient à notre venue. Mon
un siècle que les portes de cette forteresse étaient restées closes. Il nous suffisait de les franchir. Pour la Grande Horde! Tous au bord! Chargez! S'ébranlèrent, tout changea. Ouvrir ce portail. Il faut qu'on enfonce ce portail. Je décide.
putain! Où sont les commandes du portail, bon sang? Cette chaîne ira bien. Nous n'avions plus qu'à les repousser. Le commandant du fort était un champion samouraï, nommé Fujikiyo. Samaka! Banzokumega! Tout au petit coassioté. Ono shiro wa otsuta. Mohaya hei mo oranu. 我が命も程なく尽きよう。門を開いたのは貴様だ。その命で上がれ。Tu es sur mon passage. 報いを受けるがいい。やりめこりペーター。
なかなかやりおるわ。やりーめクリピーター。そうはさせる。滅ぼすであろう。やりーめクリピーター。なかなかやりおるわ。大した腕だ。やりーめクリピーター。満ちたか、満足よ。やりーめクリ。En ce jour, la fureur viking se rappela à nous. Le grand raid l'avait-on nommé.Et il était en marche. Pour atteindre la grande cité de l'empereur, les Vikings devaient conquérir le bourbier. Cette fois, la force brute ne suffisait pas.Il leur faudrait ruser. Runa, Valkyrie de la Grande Horde, était chargée de trouver un passage. Les Valkyries, ces guerrières ont passé un pacte avec les dieux. Chacune peut se battre pour un défunt. Glorifier son nom jusqu'à lui offrir une place parmi les élus.Et elles seules choisissent qui servir. Elles manient la lance et le bouclier, toujours à l'avant-garde, et peut-être votre seul espoir de salut. Le Bourbier, un nom à la mesure de l'endroit. J'étais chargé d'ouvrir la voie. Commençons par trouver un avant-poste, ou je sais pas, quelque chose dans le genre.
Le premier groupe d'éclaireurs envoyés par les Vikings ne revint jamais. Pas plus que le second. Ni le troisième. J'avais tout intérêt à partir chercher ce que le guerrier avait alerté. Il retenait l'un de nos éclaireurs. Les nombreuses maisons des Daimyos se partagent la protection du bourbier. Toutes leurs défenses ne se valent pas. Il y avait de l'activité près des quais au nord. Par où sont les quais ? À rejoindre les quais.
worth doing it! Ça empeste le poisson pourri. L'un d'eux saurait peut-être comment rejoindre la cité. Quel endroit de malheur! Beau combat. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Je ne parle pas japonais. Bon. Et maintenant, il nous faut des cartes. Il y a un monastère. Comment le sais-tu? Reste là. Je vais chercher des renforts. Attends-nous là. Enfin. Je supposais que ce que je cherchais se trouvait en haut. Ça semblait logique. Ah !
L'éclaireur qui avait trouvé ce monastère s'était sûrement demandé ce que la dépouille d'un chevalier d'obsidienne faisait là, si loin de ces terres. Nous ne tarderions pas à avoir la réponse. Je dois faire vite. Que j'ai juste à monter. Il n'a pas su fuir leur patrie lors de l'Exode. Aucun des récits que j'ai entendus n'évoque son sort. Mais je sais que l'empereur à la tête de leur cité est un fantoche. Pour un samouraï, il est déshonorant de faire un prisonnier. Pour un chevalier, c'est un acte de miséricorde. Pour un viking, c'est un esclave de plus. La raison de notre conflit vient sans doute de nos trop grandes différences. Les démiots du Bourbier affirment être en paix. Étrange qu'un peuple qu'on prétend paisible se livre chaque année autant de batailles internes.
Je pense que j'ai juste à monter. Il y a quelques décennies, les Vikings avaient déjà fait une incursion dans le Bourbier en remontant les voies navigables. Ils furent accueillis par le vacarme des Gongs. À la nuit tombée, il ne restait plus aucun Viking en territoire samouraï. Ce fut une leçon qu'ils n'oublieraient pas. Inutile de trop me faire remarquer. Tout compte fait, j'aurais dû attendre les renforts. Il y en avait trop. Je ne pouvais que fuir. J'avais ce qu'il nous fallait. La clé du Bourbier. La cité était à nous. Koto, la cité impériale, juchée sur sa falaise de pierre, protégée par ses portails, ses ponts branlants et une garnison trop sommaire pour un endroit aussi vaste. La cité s'offrait aux pillards.